Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Ouida. Là, je suis à la station Saint-Michel de Cotonou. Je vais louer un taxi et c'est parti. Cotonou est situé à 42 000 km de Ouida, donc j'y serai en moins d'une heure. Ouida est une ville historique du Bénin et de la traite des esclaves. Le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest, communément appelé la terre du vaudou. La ville de Ouida est composée d'environ 60 000 habitants et le 10 janvier de chaque année s'y déroule la fête nationale du vaudou. Je vais séjourner à l'hôtel Djiba ce week-end. J'ai choisi cet hôtel parce qu'il est l'un des meilleurs hôtels de Ouida et qu'il est situé à 800 mètres de la porte de non-retour, donc je pourrais y accéder à pied ou faire découvrir les environs. Sans compter que le service est de bonne qualité et l'hôtel peut vous fournir un guide touristique pour vous aider à découvrir la ville. Donc voilà, je me suis fait une petite beauté et là, on va se diriger à la plage de Ouida. Du grand jubilé de l'an 2000 ou encore Porte de la Foi a été construit pour rendre hommage au premier missionnaire catholique arrivé au Bénin le 18 avril 1861. Il a été réalisé en l'année 2000 à l'occasion du jubilé de la rédemption.
Au bas du mémorial, il y a des représentations des Africains avec un visage rayonnant, heureux d'avoir reçu la bonne nouvelle du salut. Et les rayons lumineux symbolisent l'espérance. La porte de non-retour, ou encore appelée porte des espoirs, symbolise la porte qu'empruntaient les Béninois et Béninoises pendant la traite négrière, au moment d'être embarqués dans les bateaux pour l'Amérique. La route des esclaves, en fait, commence du marché jusqu'à la porte de non-retour, et marquée par plusieurs arrêts. Les hommes tournaient 9 fois autour d'un arbre de l'oubli, et les femmes 7 fois. Pour tout oublier de leur pays et de leur culture. Ensuite, 3 fois autour de l'arbre de retour pour se donner un espoir de retour qui est un retour en fait spirituel et non physique. Et pour finir, ils étaient envoyés à la porte de non-retour pour être embarqués dans les bateaux. Retour à l'hôtel,
Donc, pour récapituler ma journée, dès que je suis arrivée à l'hôtel, j'ai filé à la plage pour profiter de la mer, pour profiter un petit peu vraiment du vent marin. Et ensuite, je suis allée à la porte de mon retour, hein, pour profiter aussi, pour visiter ce lieu historique vraiment. Mais j'ai pas visité beaucoup d'endroits, juste à part le grand retour. Et puis j'ai marché un petit peu dans la pas loin de l'hôtel pour voir un petit peu les environs. C'était assez sympa. Donc vraiment, si vous voulez, n'hésitez pas à aller dans des endroits à visiter les sites historiques comme la porte de Mangotour, le temple des Pitons et tous ces endroits-là super sympas que vous pouvez visiter ici à Lida. J'ai pas visité beaucoup de sites parce que les autres sites j'avais déjà visité, mais je vous mettrai des petites photos que vous voyez, le temple des Pitons, j'aime pas trop les serpents, donc je suis pas allée là-bas, donc j'ai juste visité l'extérieur. Moi personnellement, c'était vraiment un week-end détente et je me suis dit que ce serait sympa de filmer, de vous montrer un peu Lida, de faire un vlog comme ça. Voilà. Et donc c'est mon premier vlog. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vraiment. Donc là, je vais me reposer quelques minutes et ensuite j'irai à la piscine.